10 personnes qu'il faut voir pour y croire. Tout le monde est différent, mais tout le monde ne se démarque pas nécessairement. Si nous regardons l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des personnes qui sortaient du lot, à cause d'une caractéristique physique ou personnelle particulière, qu'il s'agisse de leur incroyable taille ou d'une apparence particulière causée par un trouble génétique. Certaines personnes sont en apparence complètement normales, mais arrivent à nous surprendre avec leur comportement extraordinaire. Regardez cette vidéo maintenant si vous voulez connaître l'histoire d'un homme poilu très intelligent et d'une étrange fille en première place de notre classement. Numéro 10. Petrus Gonsalvus. Tout le monde connaît le célèbre conte de fées de La Belle et la Bête. Il raconte l'histoire d'un couple improbable qui s'aimait passionnément. Mais saviez-vous que ce conte de fées était inspiré d'une histoire vraie? Petrus Gonsalvus est né à Tenerife en 1537. Enfant, son apparence était étrange, car son corps était entièrement couvert de poils. À l'époque, les gens ignoraient qu'il s'agissait simplement d'un cas d'hypertrichose. Il s'agit d'une maladie caractérisée par un système pileux anormalement développé. Les parents de Petrus, eux, étaient persuadés que leur fils était atteint d'une maladie démoniaque. À ses 10 ans, ils l'ont vendu à des pirates français. Ces derniers l'ont surnommé « l'homme des bois » et l'ont présenté au roi Henri II. Le roi remarqua son intelligence et décida de prendre le garçon sous son aile. Après la mort du roi, lui trouva une belle jeune femme du nom de Catherine. Les deux époux eurent un mariage heureux et 7 enfants. Numéro 9. Frank Lentini. Frank Lentini était également connu sous le nom du joueur de football à 3 jambes. L'homme était le 5e enfant d'une fratrie de 12. Il a été très rapidement rejeté par sa famille à cause de son apparence unique. Il est né avec des membres en trop, du fait d'un jumeau parasite attaché à son corps. En plus de sa jambe en trop, Frank avait aussi 4 pieds et 2 organes sexuels. Ce qui est étrange, c'est que le garçon a pu contrôler sa jambe supplémentaire à partir de 5 ans. Il a voyagé avec de nombreux cirques en qualité d'attraction sensationnelle et s'est servi de sa 3e jambe pour frapper avec puissance dans une balle. Au cours de sa croissance, il s'est rendu compte que ses jambes n'étaient pas de la même longueur. Il se plaignait souvent que même pourvu de 3 jambes, il n'avait pas une paire de jambes valide. Il a vécu une vie normale le reste de ses jours. Il s'est marié 2 fois et a même eu 4 enfants. Numéro 8. Christian Heinrich Heineken. C'est amusant et assez étrange que quelqu'un avec une vie aussi courte puisse figurer dans les livres d'histoire. Et c'est pourtant le cas de Christian Heinrich Heineken. Surnommé l'enfant de Lübeck, le garçon était un prodige allemand, ayant à peine vécu 4 ans. Son père, Paul, était peintre et architecte, et sa mère, Catherine, était artiste et alchimiste. À 10 mois, l'enfant pouvait s'exprimer dans un allemand fluide. À 1 an, il avait lu les 5 premiers tomes de la Bible. Et entre sa 3e et sa 4e année, il avait lu l'Ancien et le Nouveau Testament en latin. À l'âge de 3 ans, il aurait récité sa propre histoire du Danemark durant une visite au roi du Danemark. Tous ses exploits semblent un peu trop beaux pour être vrais, mais son professeur, du nom de Schoneich, a publié une étude sur Christian en 1726 intitulée « The Life, Deeds, Travel and Death of the Child of Lübeck », la vie, les actes, les voyages et la mort de l'enfant de Lübeck. Numéro 7. Martin et Anna Bates. À chaque pied sa chaussure, même pour les géants Martin et Anna Bates. Martin et Anna étaient surnommés le couple géant, pour une raison évidente. Ils étaient tous deux de très grande taille. Anna faisait 2,41 m de hauteur, pour environ 150 kg, et Martin faisait 2,32 m de hauteur, pour 149 kg. Le couple travaillait ensemble dans un cirque, où ils représentaient une attraction très populaire, attirant des visiteurs venus de très loin. Les deux géants ont fini par tomber amoureux et se marier en 1871. En 1872, ils ont acheté un terrain sur lequel ils ont érigé une maison à leur taille. Il est facile d'imaginer qu'une maison ordinaire aurait été bien trop petite pour les deux géants. Le plafond faisait 4,30 m de hauteur et les portes étaient très larges, avec une hauteur de 2,40 m. Anne a donné naissance à 2 enfants,
Malheureusement, ils sont morts peu après leur naissance. Numéro 6, June et Jennifer Gibbons. June et Jennifer Gibbons étaient des vraies jumelles qui avaient développé leur propre langage, incompréhensible pour le reste du monde. Elles ne s'exprimaient que dans cette langue et qu'entre elles. En raison de cela, elles furent surnommées les jumelles silencieuses. Elles écrivirent des histoires fictives, puis se tournèrent vers des activités criminelles. Les deux sœurs furent alors détenues à l'hôpital Broadmoor pendant 11 ans. Selon diverses sources, June et Jennifer Gibbons avaient conclu un accord selon lequel, si l'une d'entre elles venait à mourir, l'autre pourrait commencer à parler. Durant leur séjour à l'hôpital, elles commencèrent à penser qu'il était nécessaire que l'une d'entre elles meure. Après beaucoup de discussions, Jennifer accepta de sacrifier sa vie. En mars 1993, June et Jennifer Gibbons furent transférées dans un autre institut. Peu de temps après leur admission, Jennifer décéda d'une inflammation soudaine du cœur. Le jour suivant, June indiqua qu'elle était enfin libre parce que Jennifer avait sacrifié sa vie. Numéro 5. Saunie Bean. La légende du cannibale écossais Saunie Bean et de sa famille a terrorisé les enfants écossais pendant des siècles. Folklore ou réalité, cette histoire reste terrifiante. D'après les légendes, Bean et sa compagne ont vécu cachés dans une grotte pendant 25 ans, entre le 15e et le 16e siècle. Le couple a engendré plusieurs enfants, qui ont eux-mêmes engendré des enfants par inceste. Le clan Bean, comptant environ 48 membres, on estime qu'ils ont probablement mangé plus d'un millier de personnes. Ils ne quittaient leur grotte qu'à la tombée de la nuit, et en secret. Une nuit, la famille Bean a choisi d'attaquer un homme qui ne s'est pas laissé faire facilement. L'homme lutta jusqu'à ce qu'on entende les bruits de lutte et vienne à son secours. Les membres de la famille Bean s'enfuirent alors dans leur grotte. Mais le secret n'était plus. Après des recherches, la famille a été retrouvée, emprisonnée et rapidement exécutée pour ses crimes atroces. Numéro 4. William Stanley Milligan. Parfois, il est difficile de prendre une décision parce que notre conscience ne parvient pas à distinguer le bien du mal. Maintenant, imaginez que vous avez 24 personnalités. C'est le cas de l'Américain William Stanley Milligan. À la fin des années 70, il a été l'objet d'un procès hautement médiatisé dans l'Ohio, après avoir commis plusieurs crimes. L'homme avait commis des vols à main armée et 3 viols. Pendant la préparation de sa défense, les psychologues ont trouvé un trouble de la personnalité multiple chez Milligan. Ses avocats ont plaidé la folie et ont affirmé que deux de ses personnalités alternatives avaient commis les crimes sans que Milligan n'en ait conscience. C'est pourquoi Milligan a été la première personne à être acquittée de crimes majeurs et à passer une décennie dans des instituts psychiatriques plutôt qu'en prison. Numéro 3, la famille Lucchesi. Les Lucchesi, ou la famille Albinos, étaient originaires d'Europe, comme leur nom français l'indique. Mais P.T. Barnum, qui les découvrit à la foire d'Amsterdam en 1857, indiqua qu'ils étaient des Noirs originaires de Madagascar. Il affirma même que leurs yeux roses continuaient de le fixer quand il dormait. L'homme ramena la famille Lucchesi à New York pour qu'elle travaille au musée américain. Attraction populaire, la famille était exposée pour le public comme une rareté vivante. À l'époque, il était habituel d'exposer ainsi des personnes d'apparence différente. Les membres de la famille travaillèrent 3 ans au musée, puis dans différents cirques, sous le titre de curiosité vivante. Ils continuèrent de se produire pendant 40 ans. Après la mort d'Antoinette, Rudolph continua à jouer le rôle du violoniste albinos. En 1909, l'homme décéda à Kansas City. L'albinisme est un trouble congénital caractérisé par l'absence complète ou partielle de pigmentation de la peau, des cheveux et des poils et des yeux. Numéro 2. Isaac W. Sprague. Le squelette vivant, ainsi qu'était parfois surnommé Isaac Sprague, était un artiste remarquable. Bien que son apparence soit normale au cours de la majorité de son enfance, Sprague a commencé à perdre du poids à l'âge de 12 ans, après être tombé malade après une baignade.
Il a continué de perdre du poids toute sa vie, malgré un bon appétit. Sa maladie a été décrite comme une atrophie musculaire progressive externe. Elle a finalement causé sa mort. À l'âge adulte, Isaac a changé plusieurs fois d'emploi. Il a travaillé comme cordonnier pour son père et comme épicier. À cause de sa maladie, il n'a pas pu poursuivre aucune de ses carrières. À la mort de ses parents, Sprague n'a pas réussi à travailler suffisamment pour subvenir à ses besoins. Il est resté sans emploi jusqu'à ce qu'on lui offre un poste dans un spectacle de cirque en 1865, où il s'est fait connaître comme le squelette vivant, ou « The Original Thin Man », le véritable homme maigre. Et numéro 1, Ella Harper. La fille chameau est née le 5 janvier 1870, avec une maladie très rare. Elle est née avec des genoux qui se plient à l'envers. Ce défaut est appelé le genu recurvatum congénital. Ella pouvait se déplacer plus facilement sur ses mains et sur ses pieds, ce qui lui a valu le surnom de fille chameau. Elle est née jumelle, mais malheureusement, son frère jumeau est mort à 3 mois. En 1886, Ella était la star du Nickel Plate Circus de W.H. Harris. Elle est apparue dans les journaux locaux au gré des déplacements du cirque. Harper recevait un salaire de 182 euros par semaine, ce qui était énorme à l'époque, puisque cela équivaudrait à 4550 euros par semaine de nos jours. Après avoir quitté le cirque pour suivre ses études, Ella Harper a disparu de la scène publique. Après cela, peu d'informations à son sujet sont connues. C'était une autre vidéo intéressante des 10 personnes qu'il faut voir pour y croire. Connaissiez-vous déjà ces 10 personnes? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si possible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et cliquez sur la petite cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur le top 10.